Shalom, bien-aimé. Rêver d'être poursuivi par un chien, voici la signification. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 20, 22, verset 21, la Bible dit: Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. La Bible dit: Protège mon âme contre le pouvoir des chiens. Si tu rêves et que tu vois des chiens te poursuivre, tu vois qu'il y a un chien qui te poursuit, il faut savoir que de la manière que le chien est un animal de compagnon, c'est ainsi la signification signifie que il y a une personne dans ton entourage ou il y a une personne ou il y a des personnes dans ta famille qui veulent ton mal. Il y a des gens de ta famille qui veulent ta destruction. Ou il y a des personnes dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, ou des personnes, des amis, des personnes proches de toi qui ne veulent pas que tu sois parmi eux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus te sentir. Ils ne veulent plus que tu sois dans cette entreprise. Ils ne veulent plus que tu sois même dans la famille. Donc, si tu vois ces gens de chiens te poursuivre dans tes rêves, tu dois prier. Tu dois prier parce que l'esprit de la souris a pour but, ou les sorciers ont pour but de se transformer en un animal. Et de la manière qu'ils se transforment en des chats, ils se transforment en des hiboux, ils se transforment au serpent, c'est ainsi aussi, ils se transforment en un chien. Il se transforme en un chien pour te poursuivre. Et quel est le but? Pour te mordre. Pour te mordre. Et il y a beaucoup de personnes, ils rêvent aussi qu'il y a des chiens qui sont mordis par des chiens. Et quand tu rêves que tu es mordi par un chien, ça veut dire qu'ils t'ont transmis une maladie. Donc voici la prière que tu dois faire. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, on les a vaincus par le sang de l'agneau. Donc, avec le sang de l'agneau, avec la puissance du sang de l'agneau de Jésus, tu peux briser ses rêves. Donc, si tu rêves qu'il y a un chien qui te pousse à ton réveil, tu dois prier pour dire, toute personne qui me connaît, toute personne familiale, toute personne du côté des amis, toute personne dans mon entourage qui veut mon mal, qui veut me détruire, je déclare que le sang de Jésus détruit ce chien. Que ce chien meure, que ce chien soit détruit. Et que toute mission que le chien démoniaque de la sorcellerie a reçue contre ma vie, je détruis ce chien, j'anéantis ce chien. Et tu pries, tu peux même gêner. Parce que, bien aimé, ces gens de rêves détruisent ta vie physiquement. C'est pourquoi, si toi tu es dans ce cas, écoute cette prière. Je déclare que tu sois libéré de toute malédiction des chiens. Que tu sois libéré de tout lien, hein, de la sorcellerie au nom de Jésus. Je détruis ces chiens que tu as vu dans le rêve. J'anéantis toute puissance, tout pouvoir des chiens contre ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.